Alors aujourd'hui, Laurent, on voit comment transformer ce monolithe classique en version pro. Ça change et le foyer et le système de grille. Entertainment! Donc en fait, Laurent, on est sur le Kamado classique ici. Le Kamado classique, je rappelle qu'il y a eu un unboxing de ce Kamado classique. Donc on va changer tout l'intérieur de la bête. Donc pour ça, on va vous déballer et ben, tous ces beaux petits cartons. Ouais. Plus quelques accessoires, vous allez voir ça, c'est plutôt très sympa. Alors la première chose à faire, eh ben, on va vider l'intérieur. Alors, première pièce à installer, le support du Smart Grid System. Donc vous voyez avec les différentes encoches pour la hauteur de la grille. Et donc là c'est tout nouveau. En fait c'est des récupérateurs de graisse qui viennent protéger les déflecteurs en demi-lune. Voilà, qui viennent se mettre sur là, ce fameux anneau. Le même système, demi-grille. Et donc ce système en demi-grille qui vient se mettre sur différents niveaux. Donc, et donc là, Laurent, un système qui va permettre de venir soulever le Smart Grid System en une seule fois. Donc, il suffit de venir le glisser dessous, voilà, dans les encoches, et là, tu soulèves. Et là, on peut tout soulever d'un petit. C'est génial, et vous avez accès au charbon si vous voulez remettre du charbon. La grille de saisie. Voilà. Et moi, j'ai une mode plancha. Autre accessoire, donc là on a enlevé le Smart Grid System et autre accessoire, on a le Stand Walk, donc qui est cette pièce là. Et voilà. Et là, concentration de votre chaleur, vous voyez. Alors avant d'installer la plancha, n'oubliez pas, désinstaller les tablettes du classique, s'il vous plaît, sinon ça passe pas. Et donc là, ça s'emboîte parfaitement. Donc il y a un petit... Un petit joint en dessous. Donc regardez, le joint. Voilà. Et ça vient s'appliquer dessus pour que ça soit tout à fait hermétique. Alors enfin, de la même façon que sur l'icône, on avait un récupérateur de graisse. Vous avez la même chose ici. Donc ça c'est génial. Un support pour le wok et le wok. La deuxième façon de faire votre wok. Sur la plancha, votre point de chauffe au centre. Et plus vous éloignez de la plancha, plus votre point de chauffe s'éloigne. Donc vous avez une température différente selon ce que vous avez à faire cuire. Donc à retenir sur ce monolithe classique, nouvelle version, version pro. Donc effectivement la Firebox qui est en 5 parties. Ce système de Smart Grid qui permet de régler la grille sur différentes hauteurs et de tout retirer d'un seul coup pour accéder directement au charbon. Les demi-lunes, très très bien. Avec en grille, en déflecteur. Cette plancha qui... Alors là, pour le coup, la surface de cuisson est exceptionnelle. Hein. La plancha, le wok qu'on peut utiliser avec la version plancha et tout à l'heure, pratiquement sur les braises. Ouais, directement sur la braise. Je pense que ça doit être très efficace pour la cuisson de vos recettes au wok. Alors si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce. Une petite bière. Un commentaire. Et on s'abonne. Et on n'oublie pas la petite cloche.